l'occasion pour appeler au cessez-le-feu dans tous ces pays qui poussent leurs ressortissants à l'exil. Que faut-il retenir du rapport de la commission mise en place pour le choix d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale togolaise de football? Le Premier ministre en a discuté avec elle ce matin à la primature. Et puis après la publication en décembre 2013 du rapport du ICDH sur la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, entre autres au Togo, l'heure était au bilan évaluation ce vendredi. C'était les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Les membres de la Fédération togolaise de football, le ministre des Sports et des Loisirs et son staff étaient ce matin en réunion à la primature. Une rencontre présidée par le Premier ministre Kwesi Sélagodji Aoumé Zounou. Il s'agissait d'examiner le rapport produit par la commission mise en place pour le choix d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale togolaise de football. Le directeur de cabinet du Premier ministre s'est confié à la presse à la fin de la rencontre. Ses propos nous sont recueillis par Carmen Madji Akako. Nous venons de sortir d'une réunion présidée par son excellent monsieur le Premier ministre autour du choix du sélectionneur pour l'équipe nationale du football du Togo, les Éperviers. Notre mission a consisté en tant que commission mise en place par le Premier ministre, d'examiner le rapport produit par les membres de la commission technique mixte qui a travaillé à Noche. Et au terme du travail de Noche, un rapport a été produit. Ce rapport a procédé à une classification selon les critères de notation à 5 sélectionneurs potentiels retenus. Ce classement a été fait par ordre de mérite. Nous avons fait des propositions d'orientation de choix au Premier ministre et au comité ad hoc chargé de se prononcer sur le choix définitif. Donc à l'heure actuelle, notre travail a consisté à examiner le rapport produit à Noche et sur la base de ce rapport, nous avons fait notre examen et nous avons proposé, sur la base aussi de notre premier rapport, des orientations qui permettront au gouvernement et au comité ad hoc de se prononcer. Autre actualité, les recommandations du rapport du HCDH de décembre 2013 sur la mise en œuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'administration de la justice au Togo ont fait l'objet d'un suivi évaluation ce vendredi à Lomé. La rencontre a eu pour cadre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec la participation de la société civile, une occasion de bilan et d'analyse des obstacles à lever. Des précisions avec Essoham Théoutéou. Faire de la justice togolaise une institution crédible, efficace et accessible à tous, ce sont là des objectifs qui sous-tendent l'élaboration en décembre 2013 de 17 recommandations par le Haut Commissariat aux droits de l'homme HCDH. Recommandations axées autour de 4 domaines principaux dont les réformes du code pénal et du code de procédure pénale. La bonne volonté du gouvernement de faire du Togo un pays exemplaire en matière des droits de l'homme n'occulte point la nécessité du suivi évaluation objet de cette rencontre. Nous courons derrière l'adoption de code pénal et de code de procédure pénale. Ces deux instruments sont assez importants pour la réalisation de beaucoup des autres des recommandations que nous avons partagées avec le gouvernement dans le rapport. Donc la réunion d'aujourd'hui est une opportunité pour que nous et nos partenaires, l'État togolais, la société civile, les différents ministères concernés, s'assoient encore pour voir où se trouvent les obstacles, s'il y en a. Les droits de l'homme sont comme du lait sur le feu à y veiller au grain. De cette veille, il ressort qu'il n'y a pas de recul dans les avancées enregistrées depuis quelques années au Togo, constate Madame Higué. La situation évolue, ça évolue positivement, mais il faut être sûr que toutes les institutions, toutes les infrastructures sont en place pour prévenir un recul. Le garde des Sceaux, représenté par le ministre des Droits de l'Homme, fait de ce paquet de recommandations un véritable outil d'aide à la décision en vue de la consolidation de l'état de droit qu'appelle de tous ses voeux le chef de l'État et ce depuis 2005.
Le gouvernement, les acteurs de la justice sont fortement interpellés par ce rapport du NCDH. À coup sûr, le gouvernement fera sa part. Il a, au demeurant, déjà commencé à faire sa part au travers de l'amélioration des conditions de vie et de travail des principaux acteurs judiciaires que sont les magistrats et en poursuivant les efforts pour qu'il en soit également ainsi pour les greffiers. Aujourd'hui, il est attendu des acteurs de la justice de tout mettre en œuvre pour offrir à nos concitoyennes et concitoyens des services de qualité. Le gouvernement a commencé à faire sa part, certes. Certains sujets restants nécessitent du temps, mais pour d'autres, il faut de la célérité. La rencontre va donc permettre de faire l'état des lieux et participer à la levée des obstacles pour permettre la réalisation des nobles objectifs partagés de tous. L'autre actualité de ce vendredi, plus de 16 millions, c'est le nombre de réfugiés dans le monde en cette année 2014. Et selon un rapport du Haut Commissariat aux réfugiés ce vendredi, les Afghans, Syriens et Somaliens représenteraient à eux seuls la moitié de l'ensemble de ces déplacés. Une situation et un chiffre alarmant qui appellent à une prise de conscience et à un élan de solidarité en ce 20 juin dédié à ces personnes qui vivent loin de chez elles involontairement. Et au Togo, une séance de sensibilisation a été organisée autour du thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Des précisions avec Christine Pétché-Kialoudé et Élisée Kodo. Laissant derrière elles leur terre natale, leurs biens, projets et liens communautaires. Pour cette 14e édition de la Journée mondiale du réfugié, la communauté internationale s'incline devant le courage de ces réfugiés qui ont bravé bien d'obstacles dans la quête d'une terre d'accueil et de tranquillité. Occasion également pour les acteurs acquis à la cause des réfugiés de sensibiliser les citoyens de tous bords sur la situation des réfugiés, le soutien à leur apporter ainsi que les voies et moyens pour éviter les crises et conflits à l'origine de cette situation. Quand on est réfugié, on est appelé à quitter son pays de façon non volontaire et à se retrouver dans un territoire étranger. Et souvent pas facile. C'est une situation très difficile. Et la journée d'aujourd'hui est pour nous une opportunité de pouvoir sensibiliser l'opinion internationale sur la problématique des réfugiés. Ces gens qui ont, avec leur résilience, leur ténacité, leur détermination, réussi à braver pas mal d'épreuves pour se retrouver dans un territoire étranger et qui nécessitent une attention particulière et qui vivent dans la vulnérabilité et la précarité et qui ont besoin de la protection internationale. Parce que cette journée est en réalité pour nous une journée aussi où la résilience, la ténacité, l'endurance des réfugiés est reconnue, leur intégration aussi dans les pays d'accueil. La ministre de l'Action sociale a réitéré l'engagement et la volonté du gouvernement togolais dans sa politique d'assistance et de secours aux réfugiés. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du réfugié et au cours de cette journée, nous avons saisi l'occasion pour partager avec l'audience l'engagement du gouvernement à soutenir dans la durée les 21 000 demandeurs d'asile et réfugiés dans notre pays. Et ces réfugiés aujourd'hui profitent d'au moins trois appuis essentiels. D'abord, le droit à la protection, c'est-à-dire que quand ils arrivent et qu'ils sont assez validés, qu'ils sont dans une situation qui nécessite qu'on leur donne l'asile, on leur donne justement la documentation et qui leur permet de rester sur le sol et d'être protégés des dangers. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est qu'on leur donne la documentation. Sans documentation, un être humain ne peut pas facilement faire ces formalités. Le troisième élément qui est important et qui est quelque chose qu'on leur donne aussi, c'est qu'on travaille avec le HCR pour leur faciliter l'accès à des services sociaux de base. Le gouvernement togolais particulièrement agit très rapidement quand il y a des situations d'urgence. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. Cette thématique résume bien les préoccupations de la communauté internationale qui invite chacun à faire preuve de responsabilité dans la préservation de la paix là où il est et comme il peut.
le Togo a ouvert ses frontières à près de 20 000 réfugiés depuis quelques années. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur les conditions de vie de ces hommes, femmes et enfants qui ont tout abandonné derrière eux. L'assistance aux réfugiés vivants au Togo, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Christine Pichikialode. Chaque année dans le monde, des centaines de millions de personnes quittent leur pays chassées par la guerre et les persécutions. Elles sont estimées à plus de 50 millions cette année. Le Togo accueille et protège actuellement près de 21 000 réfugiés et demandeurs d'asile issus de 14 nationalités. La question des réfugiés est d'abord avant tout une question de protection. Et le mandat du HCR à travers le monde, ici au Togo également, c'est de rechercher des solutions durables pour la problématique des réfugiés. Et pour ceux-là qui ne peuvent pas être réinstallés et qui ne peuvent pas non plus rentrer chez eux, on essaie de voir avec le gouvernement à deux niveaux s'ils peuvent être réintégrés localement. Traumatisés par les conflits, les violences et toute forme de traitement inhumain et dégradante, ces réfugiés, une fois installés dans un pays d'accueil, sont appelés à recommencer une nouvelle vie. Et pour favoriser leur intégration, le gouvernement, avec l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a engagé des actions pour rendre paisible et agréable leur séjour au Togo. Le HCR donne les moyens à un partenaire, ici c'est la TBF, pour répondre à tous les besoins de santé du réfugié. Ce n'est pas parce qu'on est réfugié qu'on va arrêter sa formation. L'éducation pour tous à l'école primaire est garantie. Il y a parmi les réfugiés des cas très vulnérables qui, chaque mois, nous les appuyons avec des fonds et également avec des vivres, du matériel. De l'hébergement aux activités génératrices de revenus en passant par les services sociaux de base, ces réfugiés et demandeurs d'asile sont très sensibles à toutes les multiples initiatives prises en leur faveur. Ils sont fiers d'avoir choisi le Togo comme terre d'asile. Ça fait 18 ans que ma famille et moi nous sommes au Togo. Il y a d'autres qui sont arrivés récemment aussi, mais bon... Au Togo, nous nous sentons quand même à l'aise. Il y a la paix, c'est la paix que nous cherchons d'abord. Nous avons été très bien intégrés. L'État nous a bien accueillis. La population togolaise est très gentille. Nous avons beaucoup de similitudes. C'est pour ça que nous sommes au Togo. Nous avons toujours dit que l'État togolais nous a accueillis. L'État togolais nous a tout donné. L'État togolais nous a facilité l'obtention des documents administratifs en un temps record. C'est quelque chose que nous soulignons toujours. Nous avons, l'État togolais a permis que nous vivions en symbiose avec la population. Quand nous sommes arrivés en 2011, déjà début 2012, ils ont commencé avec ce qu'on appelle chez nous les AGR, à nous donner une somme de 80 000 pour ceux qui ont quelques petits projets. Les gens sont en train de faire ces projets-là qu'on appelle l'autonomisation, le processus de l'autonomisation qui commence à 120, 150 000. Et nous sommes en train d'apprendre que pour ces derniers temps, ça va un peu grimper. Le Togo est parti à toutes les conventions, tant universelles que régionales, régissant le statut des réfugiés. Et dans le souci de mieux faire en matière de protection de ces personnes déplacées, un avant-projet de loi pour la modification de la loi sur le statut des réfugiés est en cours de finalisation. Les populations d'Adétar ont bénéficié d'une structure de la part du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente dans le cadre des activités des tirages de la tranche commune Entente 2014. À Palimé. Il s'agit d'un auditorium moderne remis aux populations par le ministre des Transports et des Travaux Publics, Nissa Ognonfam, représentant son collègue de l'économie et des finances. Le reportage est signé Yves Agbivivi. Voici le nouveau bijou architectural offert par le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente aux populations d'Aleta. Un auditorium de 300 places, d'une emprise de 450 mètres carrés et doté de structures techniques de sonorisation et de projection, sans oublier les sanitaires et le forage avec polytanque. Le don a touché la sensibilité des populations d'Aleta qui, à travers leurs porte-parole, ont remercié le donateur. La population est fière et heureuse d'être l'une des rares préfectures du Togo à bénéficier gracieusement d'un don d'une telle envergure.
Nous félicitons toutes les personnes qui, jour et nuit, ont ardemment travaillé pour la réalisation de ce projet et remercions d'avance celles qui feront vivre et pérenniser cet auditorium. À ces remerciements, le préfet de la localité a promis suivre l'entretien tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce bâtiment. Soutenu par son collègue des sports et des loisirs et dans son discours inaugural, le ministre des Transports et des Travaux Publics, Nissa Ounyomfam, représentant son collègue de l'économie et des finances, a transmis les reconnaissances du gouvernement aux donateurs et invité les bénéficiaires, tout âge confondu, à en prendre soin. En observant de près les réalisations opérées jusqu'à ce jour, on peut se rendre compte que les actions de l'autorité nationale du Conseil de l'Entente soutiennent de façon appréciable les actions prioritaires de la politique économique et sociale menée par le gouvernement togolais. En effet, le secteur culturel fait partie de ces priorités-là auxquelles le président de la République, son Excellence M. Faure Essoizine Gnassingbé, chef de l'État, accorde une attention particulière. C'est pourquoi je voudrais en son nom, ainsi qu'au nom de l'ensemble du gouvernement, remercier la Loterie nationale des pays membres du Conseil de l'Entente, dont la contribution a permis aujourd'hui la réalisation de cette infrastructure qui contribuera, j'en suis sûr, grandement au développement du Togo en général et de Bénin en particulier. Le remerciement le plus éloquent qu'on puisse adresser aux généreux donateurs résidera dans l'utilisation qui sera faite de ce beau cadeau. C'est dans ce sens que je voudrais exhorter les populations et particulièrement les jeunes d'Adeta et de tous les grands clôtos qui auront le privilège d'utiliser cet ouvrage et ses équipements à en prendre un grand soin pour en tirer un meilleur profit. À l'inauguration de cette structure qui a coûté plus de 77 millions de francs CFA, les différents directeurs généraux des loteries nationales ont immortalisé leur passage à Adeta par la mise en terre des plans. Et c'est ce vendredi que les directeurs généraux des loteries nationales membres du Conseil de l'Entente ont clôturé leur réunion d'échange ouverte le 18 juin dernier à Kpalimé. Et ils ont présenté un rapport dans lequel ils expriment leur reconnaissance aux autorités togolaises pour le bon déroulement des activités de cette 20e édition. Et je vous informe que vous suivrez tout à l'heure en direct de Kpalimé le 20e tirage de la tranche commune Entente. Nous essaierons de retrouver Aruna Ladia en direct de Kalimé tout à l'heure si les conditions techniques nous le permettent. La suite de cette édition, 3 Togolais, 3 Centrafricains, Rwandais, un Ivoirien et une Congolaise, tous étudiants, ont reçu hier à jeudi dans les locaux de l'Union européenne leur bourse d'études, leur donnant ainsi un feu vert pour poursuivre leurs études en master à la rentrée prochaine en France. Le compte rendu avec Nathalie Banegué. 11 étudiants, dont 8 réfugiés et 3 Togolais, vont dès le 1er septembre 2014 poursuivre leurs études en master à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université d'Aix-Marseille. Ils ont reçu leur bourse d'études dans le cadre du projet Erasmus Mundus, un programme de l'Union européenne qui vise à développer et structurer la formation des enseignants dans les domaines de l'éducation scientifique, technologique et professionnelle. Présentement, l'Union européenne qui nous donne cette bourse, ça va renforcer mes capacités dans le domaine de l'éducation scolaire, donc dans le cadre du développement intégral de l'homme. Un partenariat à visage humain entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ce matin, c'était le volet numéro 2 de ce projet Erasmus Mundus qui est dirigé à des étudiants en situation de vulnérabilité. Vulnérabilité dans le sens que ce sont des étudiants africains réfugiés qui sont installés au Togo depuis quelques années. Ces groupes de 11, c'était les plus nombreux de tous les pays en Afrique, de tous les pays qui ont été éligibles. Donc c'est une chose pour laquelle nous devons nous féliciter. Sélectionnés sur la base de l'excellence académique, les 11 boursiers ont donc 17 mois pour développer des qualifications adaptées au marché du travail.
Et je vous l'annonçais tout à l'heure, nous retrouvons Aruna Lardia en direct de l'hôtel du 30 août à Palimé pour le 20e tirage de la tranche commune Entente. Aruna, bonsoir. Dites-nous un peu quel est le décor de cette cérémonie de ce soir. Tiens le retour. Ok. D'accord. Avec donc les images en direct de l'hôtel du 30 août de Palimé où se déroulera tout à l'heure la cérémonie de tirage de la 20e édition de la tranche commune entente des loteries nationales membres de cette corporation. Et nous avons quelques soucis techniques. Aruna, vous nous recevez? Ça va se dérouler dans quelques instants. Le 20e tirage de la tranche commune entente des 5 pays membres du Conseil de l'entente, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Anita, il faut dire que c'est l'aboutissement d'une semaine d'intenses travaux, aussi bien au niveau des DG, des directeurs généraux, que des experts, avec des échanges d'expériences au niveau des différentes loteries nationales. En marge des travaux, le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente a remis un bâtiment scolaire de 3 classes bien équipé d'un bureau au directeur, d'un magasin, d'une latrine et d'un forage à motricité solaire pour les élèves de Nidové dans la préfecture d'Agou. À détail, les 5 loteries nationales à leur tour ont financé la construction d'un auditorium de 300 places. Inauguré hier, c'est hier seulement, Anita, qu'on l'a inauguré. C'était en présence des ministres des Travaux publics, des Transports et des Sports et des Loisirs et celui des enseignements primaires et secondaires. Ce matin, les directrices générales de l'autorité nationale du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et les directeurs généraux de l'autorité nationale du Togo et du Ghana, avec le directeur général adjoint de la loterie nationale de la Côte d'Ivoire, au devant desquels se trouvait le ministre de la planification, de l'aménagement du territoire et du développement, M. Samandi Gassou-Niouassé, ont procédé ensemble à la pose de la première pierre de l'agence régionale de Palimé. Vous êtes sans savoir que Palimé est un pôle qui fait beaucoup de chiffres d'affaires. Voilà pourquoi on veut maintenant offrir un meilleur cadre aux parieurs de Palimé. Dans un instant, les gagnants qui ont gratté et trouvé les 3 jarres au niveau de leur ticket vont encore tenter une chance avec les 30 lots mis à leur disposition. Ces lots vont d'un million, 5 millions, 6 millions à 8 millions de francs CFA. 8 millions, c'est le merci gros lot de ce tirage. À qui reviendra ce gros lot? Dans tous les cas, dans quelques instants, on le saura. Mais d'ores et déjà, je souhaite bonne chance aux parieurs et particulièrement aux parieurs togolais. Que la fête soit belle et que les 8 millions restent au Togo. Je vous laisse l'antenne. On va maintenant vous laisser. Nous sommes devant un parterre où tous les directeurs généraux sont là. Le ministre Samandi aussi est là. Les préfets, les directeurs généraux de l'autorité, les parieurs qui sont avec nous. Anita, je viens de terminer. Je viens de planter le décor. Merci. Je n'oublie pas les parieurs qui sont à côté là-bas. Ils seront jaloux. Merci à Tigaku. Merci beaucoup Aruna et à tout à l'heure. On souhaite donc bonne chance, surtout aux parieurs togolais. On le dit souvent, le gain aux parieurs et le bénéfice à la nation. La suite de cette édition, à présent, les cadres du ministère des Travaux publics et des Transports, notamment les ingénieurs et techniciens, viennent de boucler ce matin une session de formation d'environ un mois sur la passation des marchés publics. Ils sont 50 à se familiariser avec les outils, principes et méthodes qui sous-tendent le système de passation de marché. Des précisions avec Pierre Sessoupon. Une remise d'attestation qui sanctionne un mois de formation des cadres du ministère des Travaux publics et des Transports. Ils ont été amenés à maîtriser les outils et les procédures de passation des marchés publics à travers des modules bien choisis. C'était tout un processus en passant par l'éthique de la passation des marchés, avec des cas concrets. C'était à la fois de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire que chaque cadre
a pu s'exprimer aussi au travers de cas pratiques. Donc à la fois didactique, les 11 modules, mais pratique par des cas concrets de passation des marchés, depuis la planification jusqu'à l'archivage. Nous avons des supports qui vont nous permettre quand même de revoir ce qui est dit. Et puis, pour amener à bien cette mission, il faudrait également que la bonne volonté y ait, la conscience professionnelle, voilà, pour réussir sans tâche. Ces agents vont désormais travailler avec beaucoup plus de professionnalisme dans la passation des marchés publics. Le chantier des grands travaux publics étant encore immense. Et cette politique des grands travaux impose le choix de certaines entreprises et des entreprises de compétences et de qualité pour pouvoir assumer à bien ces travaux. Et l'attribution de ces marchés impose aussi la connaissance de certains outils pour pouvoir aller à une transparence et atteindre l'objectif de bonne gouvernance. Cette formation, financée par la Banque africaine de développement BAD, fait suite à une série de formations des cadres du ministère des Travaux publics et des Transports sur la gestion et l'entretien des routes en terre et des pistes rurales. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Et je vous rappelle que tout de suite après ce journal, vous suivrez en direct de l'hôtel du 30 août à Kalimé le 20e tirage de la tranche commune de l'Entente. Bonne chance à toutes et à tous. Au revoir. L'Afrique, les pays membres du Conseil de l'Entente se sont réunis et se sont résolus.